chercher pour toi. Écoute ça. Mon ami, ta vie peut changer. Vas-y, fais le bon choix. Mon ami, ta vie peut changer. C'est une question de foi. Ta vie peut changer. Je vais vous demander vraiment de suivre la parole calmement. Et je sais que le Seigneur va nous faire. Genèse 37, verset 8. La Bible dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Les frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Et si les frères de Joseph t'attendent, allez, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi. Je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Et Ruben leur dit, ne répondez point des sangs. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient dessein de les délivrer. Il avait plutôt dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger et enlever les yeux. Ils firent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Galate, leur chameau était chargé d'aromates de bombes de mine. Verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et il dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. L'histoire de Joseph nous enseigne ce qui peut arriver dans la vie d'une personne lorsqu'il n'y a pas de maturité. La sagesse, lorsqu'il n'y a pas de discernement. La vie de Joseph nous parle de plusieurs choses. Nous parle de la haine que les gens peuvent porter dans leur cœur. La vie de Joseph nous révèle l'attitude de nos proches, de nos frères, de nos sœurs. La vie de Joseph nous révèle aussi, n'est-ce pas, ce que l'ennemi peut comploter contre nous. Nous pouvons comprendre plusieurs choses, plusieurs éléments à travers la vie de Joseph. Une maison divisée ne peut pas aller de l'avant. Une famille divisée ne peut pas prospérer. La supériorité de Joseph est chose à venir, de mauvaises ou de bonnes choses. Dieu permet toujours à l'homme de voir ce qui peut arriver demain. Mais l'homme ne prête pas attention à Joseph. Il était pratiquement le cadet avant Benjamin. Et c'était l'affrontement par ses réactions, par sa façon de s'y prendre avec son fils.
devons savoir que des fois, les choses qui provoquent la haine et la jalousie des gens sont pour nous banales. Mais pour eux, ça vaut. Des petites choses minimes, mais ça peut parler beaucoup dans les cœurs de certaines personnes, bien de nos proches. Ça vaut quelque chose. Il est toujours important de savoir réfléchir avant de confier quelque chose à quelqu'un ou à un groupe de gens. Même des fois, Dieu vous parle la nuit par des rêves, mais vous les négligez. Et vous prenez le temps d'aller en parler à d'autres personnes. Ça peut susciter de la jalousie et créer même des combats. Et ça peut même empêcher ce que Dieu avait prévu pour vous. Tout simplement parce que par immaturité, vous avez dû livrer l'information alors que Dieu vous a parlé. La plupart des temps, nous négligeons les domaines des rêves. Pourtant, Dieu parle souvent dans les rêves. Et c'est un domaine très important que nous ne devons jamais sous-estimer. Parce que Dieu parle souvent dans les rêves. Et même Dieu, pour différencier les autres prophètes de Moïse, il va dire, vous, je vous parle par des songes, par des visions nocturnes, mais lui, je lui parle comme un homme parle à un homme. Dieu va mettre la différence entre Moïse, Aaron et Myriam. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu va mettre la différence entre ses contacts avec Moïse d'avec les autres. Dieu va mettre une différence pour dire, avec lui, je parle comme un homme parle à son ami. Mais avec vous, je vous visite dans des sens. Je vous visite lorsque vous dormez. Lui, je traite la journée comme ça. Il voit des choses que vous ne pouvez pas supporter. Moïse était déjà entré dans une autre dimension des surnaturels. Est-ce que vous êtes là? Moïse était déjà dans une autre dimension. Il était avec Dieu. Et je vais vous dire que Dieu parle. Même des fois, nous ne le voyons pas, mais Dieu nous parle. Nous devons se mettre rester prudents. Rester sages. Sinon, nous allons provoquer nous-mêmes des combats. Des fois, nous sommes nous-mêmes à la base de nos problèmes que nous traversons. Nous pleurons, mais nous-mêmes, nous sommes à la base de ce que nous traversons comme malheur, comme problème. Parce que nous exposons des fois nos vies. Des fois, je regarde des gens qui prennent eux-mêmes, comme c'est la mode des photos, d'exprimer n'importe quoi sur Facebook, Internet. Ils se créent eux-mêmes de la jalousie. Ils viennent d'acheter une maison, ils l'exposent sur Internet pour que les gens regardent comment est-ce qu'ils ont acheté la maison de 500 000 dollars. Pensez que tout le monde va vous acclamer. Viens d'avoir un bébé directement, les bébés sur Internet, après l'arrivée dans le monde, vous lui créez beaucoup de combats. Alors que juste autour de vous, il y a des gens qui veulent avoir des bébés. La plupart des temps, lorsque vous voyez des gens manifester des sourires jaunes, ça peut vous pousser à réfléchir. Au lieu de se réjouir avec vous, ils méditent votre désolation, votre mort. Des concepteurs de malheur, ils conçoivent comment vous déstabiliser. Exemple, si vous annoncez à vos amis ou à vos frères quelque chose de bien qui vous arrive et que se taisent sans réagir par rapport à votre joie, ils manifestent des sourires jaunes. Méfiez-vous de ces gens. Je viens d'avoir un diplôme, j'ai fini dans tel domaine, mais vos proches vous regardent comme si ce n'était pas une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'il y a un souci dans cette relation. Méfie-toi. Alléluia. Ne vivez pas comme des aveugles. Plusieurs personnes perdent la vie. Plusieurs femmes perdent leur mariage. Plusieurs personnes détruisent eux-mêmes leur vie parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Des fois, tu es fiancé, à peine dans les fiançailles, tu en parles à tout le monde. Tu en parles à des copines qui vont aller influencer les garçons. Peut-être mener un mariage. Et subitement, tu vois les garçons te lasser. Tu te poses la question, c'est quoi? Mais c'est parce que les autres ne veulent pas que toi, tu te maries. Ils ne veulent pas seulement que tu sois dans la paix. Ils veulent seulement qu'on dise de toi, elle a échoué. Il a échoué. Ils veulent seulement qu'on dise de toi des mauvaises choses. Il y a des gens qui développent des fois la haine sans le savoir. Toi, tu penses être bien avec eux, mais eux, dans leur cœur, ils méditent comment te déstabiliser. Ils veulent te faire du mal. Troisième point, il y a des événements qui parlent et qui enseignent. Certains événements ou situations peuvent constituer des points de départ pour un éveil personnel.
Et la négligence de cela peut être aussi entraîner des conséquences fâcheuses. Il y a des situations qui enseignent. Si vous refusez d'apprendre sans les pleurs ou pendant la joie, alors sachez-le que vous apprendrez avec des cris amers et des pleurs non évitables. Si vous refusez d'apprendre, pendant que Dieu vous offre les occasions d'apprendre, vous allez apprendre avec des cris amers. C'est dans la maison, ah Seigneur! Mais tu apprends. Tu cries, mais tu apprends. Tu pleures, mais tu apprends. Tu enterres quelqu'un, mais tu apprends. Dans un deuil, mais tu apprends. Parce que tu as refusé d'apprendre quand Dieu t'a donné l'occasion d'apprendre. On ne vit qu'une seule fois. Et nous devons être sages. À part cette vie, il y a l'autre vie. Soit l'éternité avec Dieu ou avec les diables en enfer, dans la souffrance, dans les tourments. Vous avez le choix d'apprendre des erreurs des autres et sauver votre vie. Amen. Par la sagesse et par le discernement. Sinon, vous serez votre propre cobaye. Sinon, le diable va vous utiliser. Apprenez les erreurs des autres. Lorsque vous voyez des gens échouer, faire des bêtises, apprenez d'eux. Ne pense pas tout savoir. Tu ne connais pas tout. Il y a des gens qui ont vécu les mêmes choses, les mêmes situations que tu traverses. Et qui ont solutionné, qui ont connu des solutions de la part du Seigneur. Et qui peuvent t'apprendre. Apprends d'eux. Il y a des gens qui ne veulent toujours pas apprendre. Dans Actes 5, 33 à 39, que nous avons parlé la fois passée, Gamaliel parle aux membres de Sanhédrin, concernant Théudas et Judas les Galiléens, qui attiraient des gens après eux, mais dont la fin risquait d'être différente de ceux de Jésus-Christ. Car les disciples de Christ se dispersèrent après leur mort, après sa mort plutôt. Donc les disciples de Théudas, de Judas les Galiléens, se dispersèrent après la mort de leur leader. Tandis que les disciples de Jésus-Christ restèrent attachés à la pensée de leur maître. Ils persévéraient dans la prière et dans la vision de Jésus-Christ. Alors Gamaliel va intervenir pour leur dire, le passé de ces gens-là doit nous enseigner. Lorsque nous regardons Théudas, lorsque nous regardons Judas les Galiléens, leur vie doit nous enseigner. Ne courez pas les risques de combattre contre l'Éternel. Il a utilisé la vie des autres pour apprendre. Après la mort de Théudas, de Judas les Galiléens, leurs entreprises, même leurs fanatiques, sont partis, sont dispersés. Mais après la mort de Christ, les disciples, malgré les troubles, ils étaient fortifiés par la résurrection de Christ. Ils sont restés solidaires. Ils sont restés attachés à l'œuvre de Christ. Ils ont continué leur mission. Alors Gamaliel va dire, attendez, faites attention, ne combattez pas contre Dieu. Alléluia. Sachez-le bien, si tu marches avec Dieu, ceux-là qui te combattent, combattent l'Éternel. Alléluia. Si tu vis avec Dieu, ceux-là qui te poursuivent, ceux-là qui t'en veulent, combattent contre l'Éternel. Amen. Et sache que lorsqu'on combat Dieu, Dieu gagne toujours. Lorsqu'on attaque Dieu, Dieu remporte toujours la victoire. Lorsqu'on est du côté de la victoire, nous remporterons obligatoirement la victoire. Afin que Dieu nous écrasera les ennemis. Ils seront toujours sous nos pieds. Et les psalmistes pouvaient dire, domine au milieu de tes adversaires. Domine au milieu de tes ennemis. Afin que Dieu nous aura toujours la victoire. Dans Actes 12, 1 à 5, la Bible nous montre que l'église venait de perdre l'apôtre Jacques. Et l'apôtre Pierre fut jeté encore en prison. Mais quelque chose va changer maintenant. Cette fois-ci, lorsque Pierre sera jeté en prison. C'est que l'église avait compris son erreur. Lors de la mort de Jacques, l'église va changer. La Bible va dire au verset 5, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Ils ont compris qu'on avait tué Jacques. Maintenant, cette façon, on a encore arrêté Pierre. Si on tue Pierre, nous sommes perdants. Maintenant, nous allons faire des chaînes de prières. Alléluia. Il y a d'autres situations qui nécessitent des prières prolongées, des prières sans arrêt, des prières de chaînes, bien-aimés.
un géant qui s'oppose, qui s'élève contre ta vie, contre ton bonheur, tu commences quelque chose, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, c'est comme s'ils sont déformés. Ça prend maintenant que tu changes de formule. Parce que je parle à quelqu'un. Il y a dans certaines situations, il faut changer de formule. Change de formule de combat. Change de formule de prière. Change, entre dans la profondeur. Cherche la face de Dieu. Dis assez avec cette situation. Je refuse d'être toujours malade. Je refuse d'être dans la souffrance. Je refuse de vivre l'échec. Je refuse d'être pauvre. Je refuse de continuer à vivre les célibats. Je dois savoir le pourquoi de cette situation. Prière sans arrêt. L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour l'apôtre Pierre. C'est-à-dire qu'il y avait une continuité dans la prière. Il n'y avait pas d'arrêt. Et c'est ça qui dérange le royaume des ténèbres. Ça va provoquer un miracle. L'ange va descendre pour la libération de l'homme de Dieu. Est-ce que je parle avec lui? Des prières qui provoquent le surnaturel. Des prières qui changent la vie de quelqu'un. On avait mis une croix sur toi que tu n'allais pas te marier. Mais par ta persévérance, par ta foi, ta détermination, ta prière, ta foi, ta persévérance, change ton mariage, change ta famille, change tes enfants, change ton mari, change ta femme. La prière produit des résultats. Si vous croyez, vous allez voir la main de Dieu. Si vous êtes persévérant, l'Éternel interviendra toujours dans votre vie. Ça prend la sagesse. L'Église avait discerné ici que si elle restait sans la prière continuelle, l'Église allait perdre un géant. Alors l'Église a compris qu'il fallait discerner, prier, chaîne de prière. L'Église n'a cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. D'autres situations nécessitent des chaînes de prière. Est-ce que tu parles à quelqu'un? D'autres situations que nous traversons. Tu es dans une prison de la mort. Tu es dans une prison préparée à mourir. Préparée à la mort. Il faut qu'il y ait la prière. Quatrième point, il était haï, vendu à cause d'un rêve. Dit à cause d'un rêve. Mais juste un rêve, un songe, cause des dégâts. Je sais que tu as rêvé la nuit. Et tu en as parlé, c'est fini, ça inquiète tout le monde. Un rêve peut causer des problèmes. Dieu parle de plusieurs façons. Et surtout à travers les rêves, Dieu se révèle puissamment. Il ne faut pas négliger vos rêves. Dieu vous parle. Vous savez, lorsque Joseph refusait de prendre Marie comme sa femme, lors de leur fiançailles, Dieu va intervenir par les rêves. Dieu va intervenir pour lui dire, tu vas prendre cette femme, car l'enfant qui est dans son ventre est venu par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de laisser cette femme. Il se réveille le matin. Donc Dieu m'a parlé et Dieu lui donne les détails. Il sera appelé comme ça. Non, Dieu vient confirmer ce qu'il avait fait. Dans d'autres situations, vous ne cherchez pas la défense. C'est Dieu lui-même qui va descendre pour vous défendre. Parce que vous ne savez pas comment expliquer. Parce qu'il y avait aucune femme qui avait vécu une histoire similaire que Marie. Donc Marie n'avait pas vraiment d'argument pour défendre sa situation. Dire à quelqu'un, à son mari, à son fiancé plutôt, que dès que tu. Surtout vous les hommes. Une fiancée te dit, t'es qu'on est là, que non, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses, des fois, quand tu lis, n'est-ce pas, tu supportes ça parce que c'est dans la Bible. C'est la puissance du Saint-Esprit. Je pense que tu veux mal agir, tu veux la chasser, n'est-ce pas? Mais sois honnête, n'est-ce pas, frère? Parce que tu dis, quel Saint-Esprit? Mais ça, c'était la puissance du Saint-Esprit. Alors Dieu lui-même intervient la nuit pendant que Joseph dormait. Il lui dit, cet enfant vient de moi. C'est mon fils. Joseph se réveille le matin. Il tremblotait sûrement. Il s'est dit, alors, donc, Marie, c'est une bonne femme. Marie a dit la vérité. Marie ne savait pas comment se défendre. Mais Dieu est descendu. Il y a une intervention divine pour la défendre, pour la protéger. Et vous allez remarquer, lorsqu'on voulait tuer l'enfant, Dieu va descendre toujours voir le père. Toujours comment? Dans les songes. Pendant qu'il dormait, Dieu va lui dire encore, prends la femme et l'enfant, va en Égypte. Ce n'était pas un pasteur qui les avait visités. C'était Dieu qui était descendu pour parler à l'homme. Pendant qu'il dormait,
Dieu est venu nous dire, prends la femme et l'enfant, descendez en Égypte. Lorsque celui qui devait tuer l'enfant n'était plus en vie, lorsqu'il était mort, Dieu va dire à l'homme toujours, toujours dans les songes, toujours pendant qu'il dormait, prends maintenant l'enfant et sa mère, retournez. Est-ce que vous êtes là? Dieu parle de plusieurs manières. Cependant, nous ne prêtons pas attention à ce qu'il nous annonce, à ce qu'il nous révèle. Il nous donne des signes pour comprendre les choses, mais nous ne voulons pas comprendre. Il nous révèle les choses, mais nous en parlons aux gens qui ne sont pas destinés à entendre de ce type de nouvelles. Et ils nous combattent. Ça crée de la jalousie. Que notre amour des autres ne nous affecte pas. Un rêve a causé la jalousie dans le cœur. Cela entraîna les frères à concevoir un plan de meurtre de Joseph. Vous savez, des meurtres que Canal D est en train de décoder là. Lorsqu'on ne sait pas comment décoder, mais là, le Canal D décode maintenant des meurtres. On a bien planifié, le Canal D nous prouve, nous démontre comment est-ce que les policiers sont efficaces. Maintenant, ici, ces gens avaient planifié la mort de ces jeunes hommes. Mais ils ne savaient pas que ce jeune homme avait déjà les doigts de Dieu sur lui. Amen. Avait déjà les os de Dieu sur lui. C'était l'enfant de la promesse. Ce n'était pas n'importe quel enfant. Il y a des gens qui viennent au monde avec des grâces particulières. Il y a un son de Dieu dans leur vie. Il y a une mission divine dans leur vie. On ne peut pas les empêcher d'atteindre l'objectif pour lequel ils sont venus sur la terre. Même si on mettait des embûches, Dieu va les utiliser pour les propulser vers sa destinée. Même si on s'opposait à la main de Dieu dans sa vie, Dieu va frayer un chemin, même dans les déserts. Il sera tout le temps accompagné par un ange qui va les sécuriser jusqu'à ce qu'il atteindra la destinée ou sa mission. Car c'était l'enfant de la promesse. Joseph n'était pas n'importe quel enfant. Il était un enfant missionnaire. Un enfant qui avait une mission mandatée par Dieu. Il avait un dépôt dans sa vie pour le propulser jusqu'au palais royal afin que la génération prochaine soit sauvée par lui. Donc Joseph ne devait pas. Il ne devait pas mourir. Joseph ne pouvait pas connaître la mort précoce. Donc toi aussi tu ne peux pas connaître la mort précoce ni la mort prématurée si tu crois réellement que Dieu t'a mandaté pour les servir. Oh, tu ne comprends pas. C'est pour ça que des fois il y a des maladies, il y a la mort qui arrive, tu dis je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Comme le psalmiste a dit, il a compris que c'est. Il pouvait partir tout, il a dit je ne mourrai pas. Les gens pensent que ce sont des slogans, ce ne sont pas des slogans, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire on s'accroche à cette parole, je refuse de mourir. Vous savez, même les personnes âgées, 70 ans, 80 ans, refusent toujours de mourir. Est-ce que vous savez ça? Lorsqu'on a dit petit, on pensait que lorsque les gens vieillissaient, plus ils avaient des cheveux blonds, qu'ils avaient envie de mourir. Je ne comprenais pas ça. On vieillit, mais on veut toujours voir. On vieillit, mais on veut toujours voir. Vous savez, la joie même des parents, c'est de voir de leurs petits-fils. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Les parents veulent voir les enfants de leurs enfants. S'ils voient les enfants de leurs enfants, ils sont dans la joie. N'est-ce pas vrai? Les proverbes en parlent, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas rester, mais les proverbes en parlent très bien. Les parents, lorsqu'ils voient les enfants de leurs enfants, mais c'est ça la joie. Donc tu vois l'autre génération, tu vois l'enfant de ton enfant. Il y en a d'autres qui voient même la quatrième génération. Dieu les garde encore. Que Dieu te l'accorde, si tu crois. Amen. Les aînés ont eu peur du plus petit. Les forts ont comploté contre un faible à cause des révélations divines qu'ils recevaient. Les forts, les aînés, ont comploté contre le petit frère. Ceux-là qui étaient positionnés comme des aînés ont eu peur de ces jeunes hommes. Certaines informations font peur. Certaines attitudes que nous pouvons adopter inquiètent des gens. Certaines personnes aimeraient vous voir vraiment pleurer tous les jours. Mais lorsque vous ne pleurez pas, vous n'exprimez pas l'inquiétude, l'anxiété, la panique, alors ça les panique aussi. Est-ce que vous êtes là? Les rêves placent les rêveurs devant un miroir dans lequel
il a la possibilité d'observer sa vie sans phare. Sans phare. J'ai dit, les rêves, place les rêveurs dans un miroir dans lequel il a la possibilité d'observer sa vie sans phare. Tu observes ta vie comme ça. Dieu te parle pendant que tu dors. Il peut te parler du présent et du futur. C'est comme dans un miroir, tu vois ton avenir. Mais est-ce que tu prends le temps d'observer? Est-ce que tu retiens ça? Et qu'est-ce que l'ennemi fait la plupart du temps? Il vient combattre la nuit pour que tu ne maintiennes pas en tête le rêve. Parce qu'il sait que si tu sors de ce sommeil avec ses rêves, tu prendras des décisions. Il va voler ses rêves. Il arrive des fois à certaines personnes, ils se réveillent le matin, tu sens comme si tu avais vraiment reçu une forte révélation de la part du Seigneur. Tu te tourmentes, tu dis, j'ai vu quelque chose, mais c'était quoi? Tu te tracasses, c'est quoi? Mais je suis sûr que j'ai vu quelque chose. Mais ça te préoccupe même. Ça te rend des fois malade, tu te dis, mais c'est quoi? Je sais que j'ai vu quelque chose qui nécessite que je l'interprète, que je comprenne. Mais on a tout volé. Dieu t'a montré, mais quand tu ne dors pas avec la prière. Dieu t'a révélé, mais quand tu dors, tu ne te concentres pas dans la prière. Et l'ennemi vient voler les rêves, parce que ces rêves-là peuvent contenir une révélation pour ta destinée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le rêve est orienté vers l'avenir. Il tente d'évaluer le futur. Les rêves reflètent notre véritable identité ou notre véritable vie. Et le rêve cherche à rendre les rêveurs conscients des dangers ou du danger qui les guette. Les rêves préparent en vue du lendemain. Le rêve a une fonction d'avertissement. Il exhorte à prendre au sérieux les épreuves, les décisions et les événements futurs. Par les rêves, Dieu parle. Par les rêves, Dieu révèle des choses. Mais est-ce que nous pouvons prendre conscience de cela? Dieu nous parle, ma soeur, mon frère. Il y a des gens qui ont perdu les leurs, membres de leur famille, parce qu'un jour, il y avait un rêve, une révélation. Ils ont négligé la chose. Après un temps, ils se sont rendus compte, oh, Dieu avait parlé, on commence à pleurer encore. Mais si on comprenait seulement, si on pouvait comprendre, on éviterait beaucoup de choses. Alléluia. Dans les rêves, Dieu révèle beaucoup de choses. Il faut savoir que dans la vie, nous aurons toujours l'adversité. Et ça sera toujours notre partage. Mais ton ennemi est en train de planifier quelque chose. Cinquième point, l'ennemi planifie ta fin. Des fois, notre malheur, l'ennemi planifie notre malheur. Car un ennemi connu peut être facilement combattu. Mais il y a des catégories de ceux-là qui se cachent et qui ne révèlent pas leur identité. Ils sont tout le temps avec nous. Très gentils. Coopératifs. Mais un danger public. Ce sont des fois nos proches et nos amis, nos frères, nos soeurs. Là, ça nécessite le discernement. Le discernement va te classer, te placer quelque part pour éviter les sentiments. Des fois, les sentiments vont te conduire droit à la mort. Mais le discernement va te faire voir et comprendre ce qui se passe en réalité au travail. Ce qui se passe en réalité dans ta maison, dans ta famille. Ils pensent à vous faire du mal. Ils réfléchissent sur votre malheur. Ils t'encouragent ou ils vous encouragent. Ils vous soutiennent. Mais dans le cœur, il y a la haine exagérée. Ils sont avec toi physiquement, mais spirituellement, ils ne sont pas avec toi. Il y a des ennemis qui sont plus forts que nous, comme les grands frères de Joseph. Ils veulent juste te détruire, car ta souffrance, elle est faite. Mais pourquoi cette haine? Joseph n'a fait que rêver. Il n'avait pas prévu ses rêves. Mais sa mort ferait la fête des autres. Sa fin réjouirait le cœur des autres. Ils veulent le voir mourir. Parce qu'il inquiète à cause de ce qu'il a comme révélation. Les gens qui t'en veulent ont planifié ta mort. À cause de plusieurs éléments connus et inconnus. L'ennemi qui surveille ta vie cherche comment t'éteindre. À cause de ce qu'il te voit capable de faire. Il voit de quoi tu es capable. On veut t'éteindre.
Des fois, vous voyez votre enfant grandir bien. À un certain âge, l'enfant développe une certaine maladie. Vous ne comprenez pas. Je disais, l'autre fois, ma femme, je disais, tant que je serai en vie, et tant que les enfants ne seront pas matures, nous resterons vigilants, sévères avec les, envers les enfants. Jusqu'à ce qu'on va les sortir de notre maison. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tant que l'enfant est sous les doigts paternels, ne les lâche pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dites bien amen. Il y a des parents qui ont vu les enfants dégradés mentalement. L'enfant avait grandi, il a 18 ans, il est vu comme un aliéné mental. Je connais une famille, l'enfant grandit à un certain âge. Plus de 15 ans. Vers 18 ans, l'enfant ne réfléchit plus. Un enfant intelligent qui parle bien, qui réfléchit, qui fait ses études, mais à un certain moment, l'enfant dégrade mentalement. Dans certains pays, on l'appelle Kissingue. C'est-à-dire, un aliéné mental, un retardé. L'enfant devient comme un malade. Vous posez la question, est-ce le même enfant que vous avez élevé? Les jeunes ne voient pas les dangers, mais vous les parents, vous voyez les dangers. Vous pouvez éviter à vos enfants de mourir avant. Il y a des gens qui veulent vous détruire. Et s'ils veulent vous détruire, ils peuvent frapper seulement votre enfant. Et vous allez souffrir votre vie. Toute la vie qui vous reste, vous allez peiner, souffrir. Ne négligez pas la chose de Dieu. Ne négligez pas Dieu. Tant que vous avez la possibilité de protéger votre famille, protégez-la. Soyez sévère envers vos enfants. Protégez-les. Ils ne comprendront peut-être pas aujourd'hui, mais demain ils sauront que nous avions un papa sévère. Mais ce papa m'a sauvé. Si papa ne m'avait pas interdit ces jours-là de sortir, je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Mais les amis qui étaient sortis sont tous morts. Un père sévère protège ses enfants. Un parent sévère sécurise ses enfants. L'enfant ne voit pas les dangers venir, mais vous, vous voyez les dangers venir. Vous pouvez dire à l'enfant, restez là. Parce que des fois, les parents ne savent pas quoi dire à l'enfant. Est-ce que Dieu descend t'expliquer tout ce qu'il fait pour toi? Vous, vous savez ce que Dieu a fait pour cette nuit pour vous. Pendant que vous dormiez. Pendant que toi, tu étais dans ton sommeil, sur le couette là, tu ne voulais même pas sortir de là. Il y a des gens, lorsqu'ils dorment, ils oublient même que le dimanche, il y a un culte. Mais c'est seulement le lundi qui se rappelle qu'à 6h du matin, ils doivent se réveiller. Parce qu'à 7h30, ils commencent le travail. Les lundis, on n'oublie jamais, mais les dimanches, non, je dois dormir. Lundi, on n'oublie jamais. Toute la semaine, même s'ils faisaient moins 58, ils vont sortir. Mais les jours de l'église, les pasteurs, tu sais qu'il fait moins 58. Mais est-ce que tu peux annuler la rencontre? Est-ce que tu peux annuler les cultes? Mais les jours du travail, on ne va pas annuler les cultes, les travail. On est prêt à négliger les choses de Dieu. Pourtant, les choses de Dieu, ce sont les choses de Dieu qui prolongent nos vies. Amen. Plusieurs sont morts parce qu'ils ont négligé Dieu. Plusieurs réussiront dans la vie à cause de Dieu. Des parents souffrent aujourd'hui. Vous savez, se moquer d'un père, d'une mère, qui a un enfant malade, c'est facile, non? C'est facile. Mais mettez-vous à sa place. Est-ce que vous pensez qu'elle avait mis cet enfant comme ça au monde? Se moquer de quelqu'un, c'est facile. Mais vous ne savez pas la douleur que peut ressentir un parent lorsqu'il voit son enfant, sa fille, son fils, tourmenté par quelque chose. Ça dérange toujours. C'est pour ça que pour l'amour de tes enfants, n'arrête pas de prier. Ne néglige pas la prière. Sois sévère envers toi-même. Fatigué, mais je vais prier. Il y a des jours où je suis fatigué, je sens que je suis fatigué. Mais je comprends déjà que non, ça ne sert à rien de manifester ma fatigue. Du thé directement. Vous pensez pour prier, moi c'est facile. Naturellement, en tant que même moi, pensez que c'est facile. Ça n'a jamais été facile, c'est toujours difficile pour tout le monde. Parce qu'en tant que on aime bien les sommeils. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont des très beaux lits, bien arrangés, de telle sorte qu'ils ont hâte de monter sur les lits pour se reposer. Ils ont beaucoup investi dans les lits. Mais c'est toujours sur ces lits-là qu'ils ont des cauchemars. Peut-être lui, il dormait, je ne sais pas si les nattes, je ne sais pas si quoi. Mais il a rêvé. Il a rêvé quelque chose qui allait changer l'avenir de sa famille. Mais on ne l'a pas compris. Son père,
Ses frères et sœurs ne l'ont pas compris. On ne te comprend pas, mais reste fidèle à celui qui t'a donné la révélation. On peut ne pas te comprendre. Accroche-toi à Dieu. Ils ont planifié ta mort. Des fois, nous sommes combattus dans la vie à cause de ce qu'on a. Des fois, à cause de ce qu'on n'a pas, ou de ce qu'on aura, ou de ce qu'on sera. Ta confiance de l'avenir inquiète quelqu'un. Des fois, tu manifestes la confiance. Vous savez, voir des gens qui ont des problèmes et qui ne manifestent pas les inquiétudes, ils ne paniquent pas, mais ils ont trop de problèmes. Vous allez voir la scène, trop de problèmes. Quand quelqu'un me disait, pasteur, si je te donnais ma tête, tu vas craquer. J'ai dit, non, je ne veux pas craquer. Donc, il y a des gens qui ont trop de problèmes pour un homme, ils savent que si je prête cette tête à quelqu'un, la personne va craquer. Mais toi-même, tu as ces problèmes, tu ne craques pas. Tu te maquilles bien, toujours belle. Amen. Ils veulent me voir sale pour dire, nous l'avons eu. Non, je serai toujours propre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je ne parle pas dans une fête, mais bien habillé. Amen. Dis bien amen. Amen. Tu ne sors pas pour aller à une fête, mais bien habillé. Et des fois même, tu ne sors pas pour eux. Tu ne sors pas, tu vas maquiller. Parce que tu ne sais pas qui te visitera ces jours-là à la maison. Tu t'enlèves d'abord les soucis, toi-même, tu prends la décision de ne plus vivre dans les soucis. Au lieu de laisser la parole, tu parles toujours au salon. Chaque week-end, tu te coiffes bien. Tu es coiffé très bien. Même si tu as des problèmes. Ne tombe pas dans la dépression. Même si tu as des problèmes, ne manifeste pas la dépression. Garde la foi. L'Éternel a une solution pour ta vie. Garde la foi. Tiens bon. Tiens bon, je te dis. Même si ça ne marche pas, reste fort. Ils te combattent, ils vont se buter quelque part. Dis à ton voisin, il y a une pierre angulaire. La pierre des sages. La pierre angulaire. Lorsque sur toi, il t'écrase. Tu tombes sur elle, tu t'écrases encore davantage. Donc, s'il y a des gens qui te combattent, la pierre va les écraser. Toi, garde la foi. Reste calme. Tiens bon. Ton avenir inquiète les gens. Ils voient que tu es capable. Des fois, tu sais pas, mais c'est ton intelligence qui inquiète les gens. Lorsque tu parles, tu inquiètes. On sent en toi l'intelligence. On sent en toi la maturité. Vous savez, même votre purité, votre comportement peut inquiéter les gens. Vous pouvez vous préserver toute votre vie, éviter les erreurs. Et cette attitude de vous préserver, vous crée encore des problèmes. Oh, dites amen. Amen. Tu ne pars pas dans les bars, tu te conserves, frère ou sœur. Tu ne fais pas des bêtises toute ta vie. Jusqu'au mariage, bam. Juste à cause de cette attitude-là, on ne veut pas de ça. On commence à te créer des combats. On peut te créer des combats dans la vie, même à cause de ta sainteté. Ça te crée la jalousie. Est-ce que vous savez ça? On peut être jaloux. Si tu es dans le cœur, la semence de la jalousie, chasse ça au nom de Jésus-Christ. Il faut chasser ça. Ça va te conduire. Tu seras meurtrier pour rien. Tu vas tuer des gens facilement. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Il faut toujours discerner avant de dire ce qui se passe dans nos vies aux gens. Ton combat peut seulement commencer après avoir ouvert la bouche pour sortir tes projets. Il y a des gens, dès que vous les saluez, ils vous révèlent leurs problèmes de leur et leurs projets d'avenir, comme la salutation des musulmans. Comment ça va? Ça va bien. La maison, ça va bien. Les armoires, ça va. Les animaux, ça va. Ils vous disent tout sauf rien. Vous rencontrez directement, il vous expose tout. La femme, c'est pas les enfants, les deux enfants, les trois enfants, quatre enfants, oui. Les chats là, tu as sur les chats, oui. Mais l'enfant, est-ce qu'il a fini à l'université? Oui. Donc on te demande tout sur lui. Et toi, tu donnes toutes les informations. C'est toi les informations, il faut les garder. Amen. Notez bien, faites attention aux rebelles de votre vie. Rebelle ici a été avec ses frères. Parce qu'il avait commis des bêtises.
va mourir. Mais il a complété pareil avec eux. Les garçons s'avancent, s'attendant à être bien accueillis par ses frères. Mais ses frères complotent sa mort. Des fois, vous arrivez quelque part, vous entrez dans une maison, vous arrivez directement, vous trouvez vos amis en train de parler, directement ils sourient, ils sont. Vous comprenez, c'est peut-être on parlait de vous. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est comme si les choses deviennent calmes. On commence à chercher à créer une histoire. Vous comprenez, on change les sujets directement. Vous comprenez, ces gens sont flous. Alléluia. Ne restez pas avec les amis parce que vous êtes. On a grandi ensemble. Vous savez, il y a un président africain qui a été tué par son ami. On l'aimait beaucoup par les gens. J'ai oublié ça. Sankara. C'est son ami. C'est pas son ami, comment il s'appelle encore? Un danger. Mais toujours avec Thomas Sankara. Que Dieu nous donne Thomas Sankara, brillant. Pas les naïfs. Alléluia. Seigneur, le discernement va te permettre de comprendre de tes amis. Dès que tu le vois, tu te gardes. La Bible dit, l'homme sage voit les dangers et se casse d'avance. Tu vois le mal venir, tu te casses. Mais l'insensé se dirige droitement à la mort. Joseph n'était pas mature. C'était un jeune homme. Il a cru bon faire, il a dévoilé les rêves. Et son rêve lui a créé un problème. La Bible dit, Joseph alla après ses frères. Et il les trouva d'autant, il les fit de loin. Et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils ont comploté sa mort. On est à la fin. Écoutons ces complots. Ils ont dit, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Écoutez l'argument qu'ils vont donner au père. L'argument de la défense. Une bête, on dira une bête féroce, l'a dévoré. Ils complotent ta mort, ils disent, venez maintenant, tuons-le. Donc, c'est, on décide ensemble, jetons-le dans une citerne. Et on dira à papa, une bête féroce l'a dévoré. Tout est planifié pour ta mort. Tout était planifié pour la mort de Joseph. Par ses propres frères, même père. Le but de cette haine, c'était une haine majuscule, hein? C'était pas une haine minuscule. Le but de cette haine majuscule est les rêves de ces jeunes hommes. Écoutez ce qu'ils vont dire. Et nous ferons ce que deviendront ces songes. Ils veulent ta mort parce que tes songes, tes rêves les inquiètent. La tunique fit aussi un élément qui poussa les frères à la haine et à la jalousie meurtrière. Il les dépouilla de sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ceux qui t'en veulent ne supporteront pas que tu sois même bien habillé. Je vous assure, tu peux acheter un habit qui coûte 20 ou 20 dollars seulement, mais ça te crée des problèmes. On ne veut pas que tu sois bien maquillé, sœur. Frère, on ne veut pas que tu sois seulement bien coiffé. Juste ta présentation peut créer de la jalousie. Ce que je dis, c'est tellement vrai. Tu peux être seulement souriant, mais ça crée des problèmes. Tu ne te plains pas des problèmes, tu ne demandes à personne. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu vis bien avec le peu que tu as. Et tu as la peine. Ça dérange les gens. Ils ne veulent pas de ça. Ah, mais lui, qu'est-ce qu'il montre? Nous, on a beaucoup d'argent, il devait quand même nous exposer ses problèmes, afin qu'on l'aide. Mais toi aussi, tu restes dans ton coin. Tu as des problèmes et tu les gères avec Dieu. Tu dis dans cette situation, Dieu va intervenir. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme, parce que l'homme va te décevoir. Il te donne et dans son cœur, il n'est pas avec toi. Ton bien-être inquiète les gens. Ils ont déjà planifié ta mort et la façon de te faire mourir. Ils veulent que tu meurs comme par une maladie naturelle. Une maladie naturelle plutôt. Un accident normal. Ils ont tout arrangé pour flouer ta famille afin qu'elle ne découvre par l'air plein sorcellerique. C'est ce que les démons font. Ils ne veulent pas qu'on décède, qu'on comprenne que ce sont eux qui sont à la base de ta désolation. Ils vont se dissimuler. Les frères de Joseph
papa, c'est un animal carnivore qui l'a dévoré. Ce sont eux qui t'ont détruit. Ce sont eux qui ont planifié ta mort. Mais ils ont aussi planifié l'argument de la défense. Mais je dis à quelqu'un, même si l'ennemi a planifié des arguments de défense contre ta vie, que le Seigneur se lève contre les géants de ta maison. Que le Seigneur se lève contre les choses de ta famille. J'envoie une parole d'autorité. Si tout ce qui combat ta maison, tout ce qui combat ton mariage, que le Seigneur se lève. Si tout ce qui t'attaque matin, midi, soir, que Dieu se lève. Non, je refuse.
je t'aime là. On a dit pas. Tu. J'ai un fils. Faut, quand notre vient voir ça avec ces gélants de thème, et puis avec des phrases d'autres phrases, coupe directement, je refuse. Parce que j'aime plus que ça. Je serai le chef de ton mari. Je refuse la dynamique de ta maison. Si tu vas prendre ça de force, prends ça. Je préfère être traité de tout et de rien. Je tiens en prison parce qu'il y a une nouvelle dynamique qui arrive. Tu ne vas pas mourir, toi, rêver. Continue à rêver. Mais le sang qui s'y trouve n'est pas le sang de Joseph. Ils ont pris la tunique, ils ont mélangé avec le sang. Mais ce n'est pas tes sang, ton sang. Ce n'est pas le sang de Joseph. Ils ont des preuves pas tangibles. Mais quand Dieu va dépister les choses. Oh, j'aime. Et quand Dieu va changer les choses maintenant. Un truc comme ça, vendredi policier. Il y a comme un enquêteur de Dieu qui est en train de faire des enquêtes minutieusement calmement. Ils ont amené des preuves pour pousser ton père à pleurer. On pleure sur toi, mais tu n'es pas mort. Tu es juste dans une cité. On pleure sur toi, mon âge, juste fendu. On t'a juste vendu. On pleure sur toi, mais tu es encore vivant. On est en train de pleurer sur toi, mais tu es vivant. On a déjà décidé des choses, mais toi tu es en vie. Je suis venu te dire, reste en vie là où on t'a vendu. Reste en vie là où on t'a lancé, jeté dans la citerne. Reste en vie, crois en Dieu, tu sortiras de la citerne. Il avait toujours les yeux comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe ou pas? Et des fois les gens pouvaient passer les yeux, la poussière tombait dans ses yeux. Mais je dois toujours regarder là-bas. Même s'il y a des problèmes, regarde vers le ciel. Même s'il y a des maladies, regarde vers l'Éternel. Lorsqu'on tourne le regard vers Dieu, notre visage n'est plus couvert d'humiliation, n'est plus couvert de honte, car Dieu intervient toujours pour les malheureux. Lorsque les malheureux crient, l'Éternel entend et est libre de toutes ses détresses. Ce n'est pas le sang de Joseph sur la tunique. Ce n'est pas le sang de Joseph. Ce n'est pas le sang de Joseph. Ce n'est pas ton sang. Ils ont des preuves. Mais il faut bien vérifier. Il faut vérifier les ADN. Il faut vérifier bien. Ce n'est pas ton sang. Ils pensent qu'ils ont emballé Dieu. Ce n'est pas ton sang. Ils ont emballé peut-être ta famille, ton père. Mais ce n'est pas ton sang. Ils ont emballé tout le monde. Mais ce n'est pas ton sang. Il y a des gens qui sont venus consoler Jacob. Tu perds un enfant en vie. Ce n'est pas le sang de Joseph. C'est le sang d'un bouc. C'est rouge. Mais ce n'est pas ton sang. C'est rouge. Mais ce n'est pas ton ADN. On va prouver ça. On va faire des investigations spirituelles. Il y a des enquêteurs des faits qui vont descendre pour dépister les choses, pour comprendre la réalité, pour comprendre la quintessence de la chose, pour comprendre ce qui se cache derrière ces problèmes. Ce n'est pas le sang de Joseph. Même si c'est rouge. Oh, la bassante. Vous regardez le problème, vous prenez des décisions, mais c'est pas la vérité. C'est rouge, mais ce n'est pas la vérité. C'est le sang de l'animal. Ce n'est pas ton sang. Ce n'est pas ton sang. On ne coulera pas ton sang comme ça. On ne coulera pas les sang de tes enfants comme ça. Que ceux-là qui voulaient tuer tes enfants soient exposés au feu de Dieu, soient frappés par le feu de Dieu, soient affectés par la puissance de Dieu, soient neutralisés par le Saint-Esprit. Que c'est là qu'il voulait te tuer. Sois exposé au feu. Tu ne connaîtras pas la mort précoce, pas la mort prématurée. J'expose leurs activités.
au feu de Dieu, je détruis la puissance au nom de Jésus. Que Dieu protège ta maison, qu'il protège tes enfants, qu'il protège ton mariage, qu'il protège ta famille, qu'il te protège, que tu ne meurs pas avant ton heure, que tu ne perds pas la vie, qu'il protège tes affaires au nom de Jésus. On t'a vendu pour qu'on ne te voit plus. Mais tu es juste, tu n'as rien fait. Un enfant très obéissant à l'image de Christ. Il est obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'au plan de la mort. Le père l'envoie, il ne refuse pas. Un enfant très soumis à son père. Très posé, très poli. Et ses propres frères ont planifié sa mort. Je ne sais pas qui a planifié ta mort. Je ne sais pas qui a planifié ta perte. Je ne sais pas qui a planifié le chef dans ta famille. Je ne sais pas qui te combat. Des fois, nous n'avons pas besoin de comprendre celui ou qui nous combat. Nous avons besoin de compter sur Dieu. Dans cette affaire, Dieu n'est pas absent. Dans cette situation, Dieu est avec toi. Tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, tu ne vois pas des prophéties. Ce n'est pas un problème, mais Dieu est avec toi. Lève-toi, nous allons acclamer le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Acclame le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu pendant que tu acclames. Dis à Dieu merci pour ce qu'il fait dans ta famille. Dis à Dieu merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera pour ta maison. Élève Dieu pour sa bonté, sa miséricorde dans ta vie. Élève Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Élève Dieu, dis merci à Dieu pour la protection, l'amour incommensurable qu'il déploie dans ta famille. Alléluia, Saint-Démon, Karabasa. Lève Dieu pour ta vie. Lève Dieu pour ta famille. Alléluia, Saint-Démon, le Messin. Oh, Rabasa, Koroumoussa. Alléluia, tu es Dieu.